Merci Madame le Président, Madame la Commissaire. Je voudrais aussi à mon tour remercier nos collègues rapporteurs, notamment Ambroise Le Guélec, pour sa présentation et ses travaux. Et donc en tant que rapporteur permanent pour les fonds structurels au sein de la COBU, insister très brièvement sur les enjeux d'ordre budgétaire. Cette politique constitue aujourd'hui l'une des politiques les plus significatives en termes budgétaires de la solidarité du peuple européen. Aujourd'hui plus que jamais, et on vient de l'entendre ce matin, c'est la question de l'optimisation de l'efficacité des politiques de cohésion qui constitue l'enjeu majeur. La COBU a souhaité attirer l'attention sur un certain nombre d'indicateurs préoccupants, tels les retards d'exécution et les restes à liquider. Je voudrais souligner quelques points qui m'apparaissent saillants dans cette problématique. Il est en effet urgent que l'Union mette un point d'honneur à simplifier les procédures comme la mise en œuvre de l'assistance technique pour permettre l'élaboration et la mise en action effective des nombreux projets dont nos territoires ont besoin. Il est également impératif de procéder à une répartition claire des responsabilités entre l'Union et les États membres pour une meilleure gestion partagée. Et je me réjouis des propos de Madame le Commissaire en ce qui concerne la décision de mardi dernier d'adopter un plan d'action sur la stratégie d'audit dans le domaine des fonds structurels. Enfin, je souligne depuis longtemps, et je me réjouis également que Madame le Commissaire l'ait rappelé à l'instant, d'avoir des indicateurs de performance qui soient communs à l'ensemble des États membres, qui le soient à la fois de manière quantitative et qualitative pour évaluer les besoins budgétaires et pour aider à la définition du prochain cadre législatif pour la période pluriannuelle post-2013 et qui donneront plus de lisibilité à la présence de l'Europe dans le cadre des politiques européennes et des Européens tout simplement.